Et le fait que le nombre de spells envoyés était infini, tu vois, par rapport au nombre de games, fait que ça a implosé les serveurs, en gros. Oh putain de merde. Bon, on s'éclate, hein, c'est la principale. Je suis ADC là ? Heureusement que j'ai un Ezreal de niveau grand master, hein, putain. Sinon, je sais pas ce qu'on ferait. Par contre, je ban Draven, hein, les mecs. Hein. J'ai compris la leçon. Je savais pas que les main ADC. En fait, le problème, c'est que les main ADC ne m'ont pas prévenu, en fait. Je chie tellement sur les. You can jungle if you want. I can feel. And you. Moi je peux vraiment feel, hein, j'ai un bon niveau. Si t'es main ADC, go en vrai, hein, moi ça me dérange. Ah ok. En vrai, j'attends les picks. J'attends les deux premiers picks. Caitlyn ? J'ai pas envie de jouer contre Caitlyn, hein. Vas-y, go ADC. Ah, c'est vraiment ma poubelle, hein. Vas-y, go ADC. J'ai pas envie de jouer contre Caitlyn, moi. Je te démerde, hein. Vas-y, va ADC, va. Vas-y, c'est bon. Vas-y, pars ADC, c'est bon. Moi, je vais jungle, je vais chill, là. Ah oui, en plus, Gaïraka, non, mais ça vaut, c'est plus rentable, c'est plus rentable. Vas-y, va ADC pour voir. Oh putain, qu'est-ce qu'on se marre, bordel. Oh, on perd, mais on se marre, hein. Ah, attendez, il y a trop de subs, là, what the fuck. Merci beaucoup, Estrouille, pour le tir. Installe-toi de loco, dépêche-toi. Merci, Raijin, pour les 5 mois de contrat. Merci, MrB, pour les 21 mois. Inplou, pour les 13 mois de contrat. Adri, pour le sub offert à Echo. Clem, 25 mois de contrat. Beoloop, pour le Prime. Bienvenue, installe-toi de loco. Fox, pour le Prime. Bienvenue, installe-toi de loco. Merci beaucoup du soutien, mec. Benji, merci pour les 7 mois de contrat. Athénos, pour les 3 mois de contrat. Installe-toi, dépêchez-vous. Merci beaucoup, les potes. T'as pas un niveau ADCGM, non mais c'était du troll, c'était du second degré. Même pas capable de sentir mon second degré. Elle me fume ça. Je regarde s'il y a des météorites dans la game en speed ou pas là en vrai. Ok, analyse météorite. Analyse météorite. Analyse météorite. Analyse météorite. Qu'avons-nous là? Ça c'est Mago XLR, connard. Oh la météorite! Mais après, il a pris un pic qui tryhard, donc c'est une fausse météorite, ça. C'est fine. Ça, c'est la var et formelle, c'est accepté dans la game. Très bon jungle, je sais pas qui c'est. Rakan, go Chroma. Ah ouais, t'en es là, toi, dans le jeu, là. Ah ouais. Attends, mais il y a une météorite Nasus en face, là. On a un TF pixel. Attends, mais il y a un autofit dans la game, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? C'est qui, lui? Voldo Bog? Boga? C'est quoi, ce Nautilus Top? Oh non, les diamants 1! Oh non, putain, on a tagué un D1! Oh putain! Ah, le fameux Nautilus Grapp. En vrai, j'y crois, en vrai. Vas-y, je vais lui donner un peu d'espoir, en vrai. Merci, Deikos, pour le Prime. Bienvenue à toi, mec. Putain de merde, les amis. Merci, Ecru, pour le savoir-faire. Merci également. Merci, monsieur. J'ai pas eu le temps de checker en vrai il m'apprend qu'il l'a piqué au dernier timing, non? On va carry. On va carry. C'est un Red Kane? Red Kane, c'est pas trop mal contre Evelynn non plus. Parce que vu que le charme enlève. Charme complété enlève 35% de résistance magique, le Red Kane tanque beaucoup moins quoi. Donc, c'est pas un mauvais match-up, je trouve, moi. Personnellement, je trouve que c'est pas un mauvais match-up. Blue Kane, c'est un match-up 50-50. Red Kane, je dirais que c'est un match-up 55% pour Evelynn, 45% pour Kane. T'étais le diamant de la dernière game. Ouais, mais bon, il y a peu de probabilité qu'il ait des modes du GM pour inactivité. Après, c'est vrai, hein, tu vois. Le mec a très bien pu des modes pour inactivité. Et vu que c'est D1 80 LP et qu'on est à 100 LP, tu vois, Riot est capable de nous mettre ensemble, tu vois. Après, non, t'as raison, en vrai, maintenant que j'y pense. Quand t'es D1 80 LP, tu peux pas taguer avec des masters 100 LP à moins que la MMR soit. Et une raison. A mon avis, il a démote. Si tu veux mériter, à mon avis, il a démote de master 100 LP, en fait, ou un truc comme ça. Pour une activité. Et là, il remonte. Je sais pas. À moins que Riot nous ait mis, mais je pense pas, en vrai.
En D1 80 LP, j'ai jamais de ma vie j'ai tagué une game en. Quand j'étais D1 80 LP, j'ai jamais tagué de ma vie une game avec 100 LP de plus. Quand j'avais un MMR normal, tu vois. Le pire, c'est que je dois un peu le ganker quand même. On a eu full focus là. Je peux pas ward, what the fuck. Je peux pas ward. Vas-y, je vais rester en yellow trinket. Tu es sur d'où tes chiffres? Oh bah, expérience personnelle, c'était. Les 55-45, c'est expérience personnelle. Je te dis comment je vois le match-up, après bon. Hop. Ok. J'espère qu'il le bosse bien encore à corps là. On met 2 points dans le Q. Pour un clear plus vite, la ward de Yone a été mise top side. Le gank par le top n'est pas envisageable. Le Fizz me prévient, donc c'est un bon joueur. Je crois qu'on va traverser la map hein. Je crois qu'on va totalement traverser la map. Pour pas qu'il y ait trop d'infériorité numérique. Traversage de map intensif. Nautilus est en train d'un V9 hein, pour ceux qui se demandent. Lui il va prendre sa part hein. Quoi? Attends mais dans quel monde frérot? Bon le point positif c'est que ça ça le met pas forcément bien pour sa phase de lane non plus tu vois. Au pire, je fais... il a même pas de potion, il a un bouclier de rang, donc... Ah ouais, le play top, hein. Il a un V9 ou c'est... Oui, il a un V9, là. Contre... Bon, après, un peu de farm pour Nasus, c'est sûr, mais... Il a mis un kill sur Akan, un kill sur Fizz. Moi, il m'a mis correct. Comment il avait 29 creep, le Kane? Back. Je suis en level 5. Ah, tu penses c'est Warn? Ah, oh, bah, tu te fous pas trop de ma gueule, ça va.
Il a smite et quoi? Ah, le Drake. En vrai, c'était bien joué de la part du Ken. Le Ken a bien joué. Le smite Drake était vraiment smart. C'est très propre de sa part. Parce que sinon, il perdait un avion. J'avais mis un bon flash. C'est rentable parce que j'ai mis des petits pas de danse, mais sinon, ça aurait pu ne pas être rentable. Donc, je suis assez content. Que le fils fasse gaffe. Un rush carapateur serait vraiment broken. Si j'ai le carapateur, j'ai le 6 sur mon top side. Si j'ai pas le carapateur, je l'ai pas. Donc, la plante, je la prends comme ça, je pense. Non, j'aurais dû prendre dans l'autre sens. Ok. Ok, je peux réagir avec son raid. Faut que je réagisse instant là. Je dois punir ça. Faut qu'il pense pas à aller prendre le mien. Avec une pink agressive. Et une deuxième ward qui va être agressive. Je vais la mettre direct. On prend le 6 là-dessus. Avec le 6, on peut aller ganker. Et d'abord, on prend ça. Est-ce qu'on tue le Nasus? On tue totalement. Hein. Attendez le 6C. Ok, il perd énormément. Il a mon raid. Sûrement mes Vrace. Ok, c'est pas malin. Secondes, je pense que je peux me permettre un très très speed rush Herald. D'autant plus s'il est aidé de Nautilus. Attends, je peux pas back. Hein. Faut qu'on se dépêche de le faire parce que le carapateur va donner envie à Kane de venir en fait. Ok. L'Herald va me permettre de back quand j'ai envie. Ok, le gank mid est pas mal. La tour est là à combien? Back proto. Un fight bot, fait chier. C'est pas ce que je veux en vrai. Ça qui s'arrange Kane de ouf. Ah ouais. Et les musiques de Sonic, c'est des bangers, hein, notre. Je sais pas si vous avez la musique forte, mais. Les musiques sont incroyables. Hein. Ça me rappelle trop de souvenirs. Moi.
Ah, je pensais vraiment le tuer sans. C'est pas worse du tout, fais chier. Je suis dégoûté. Un bout de la game qui se joue là pour moi. Je m'écaine bien. Ah, il joue Kane Blue ? Ok. Putain. Faut vraiment que je. Ah, mais là, je peux pas m'en vouloir. Franchement, je pensais que j'avais les dommages. Ah, il a mal joué. Enfin, Kane a bien joué après. Aïe 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 aïe. Kane court bot. Je cours aussi bot, mais je suis moins rapide qu'un Kane. Hein. C'est dur hein, ce qui m'est arrivé là. Vraiment. Je suis mort. Hein. Pourquoi il m'attaque pas? Oh, les 16 steps que je leur ai mis par contre là. Les mecs, je suis revenu sur ici. Attendez, 0. Ok, on prend ça, Eldrick. Ok, la game est rewin. C'est joué un peu, ouais, ouais, mais des fois, tu sais, genre. En fait, je peux pas m'en vouloir, mais. Le fait de pas avoir mis son R là, ça coûte tellement cher dans la game. J'ai pas de mana hein, par contre. Je sais pas si je peux le faire. Putain, je vais peut-être mourir. Hein. Non, c'est bon. Il y avait un bleu, ouais, mais j'ai pas envie de le jouer, ouais. Il y a pas de bleu. Il est revenu mon raid depuis ? Ouais. Je suis pas allé depuis tellement longtemps. On part, y'a Kane. Waouh. Niveau mana, je suis léger. C'est one shot là. Hein. 850, 1250 et 800. Ouais, c'est beaucoup en vrai, c'est 2250. J'ai ce que je viens chercher. Je viens chercher du coup le Medjay parce que ça c'est pour le stream, c'est beau jeu. Le Medjay ça a toujours hypé le chat. Et quand même les bots rang 2. Quand même. Là on va chercher son niveau 11 pour un ulti qui est bien plus impactant. Donc niveau 11, on peut aller le chercher avec 27 secondes. Si je fais scan là, j'ai le niveau 11. Enfin, même deux camps là, je pense. Vous pensez que j'ai le niveau 11 avec deux camps ou pas là? Est-ce que vous êtes fort en XP là? Lou Gromp niveau 11, oui ou non? Oui ou non? Moi je dis non. Ok, j'ai. Il va y avoir un problème là. Un petit souci là. Non, mais le Gromp il a été nerf, non? Non, en vrai. Open. C'est deep hein, mid 1. Ah, c'était deep, hein, je l'avais dit, hein. On pas cru. J'aurais dit c'est deep, et voilà ce qu'ils font. Et run down au mid. Once again.
Attention au Père Nunus, hein. Le Père Nunus, invoqué par Skyheart. Par contre, il va être charmé, il va être invoqué par personne. Jamais Jai, calmez-vous. Et en plus, j'ai ramené Kane chez lui. Je pouvais pas faire mieux là. Kane est retourné chez sa mère parce qu'il m'a R. On ne perd pas son Medjay, hein. C'est la règle de base. Le flash, c'est que des flash out. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il est chaud lui. Mon Medjay. Ils ont faim là, je sais pas pourquoi ils ont faim d'un coup là. Ok, on est à 18 les mecs. On vend les potions. Là je vends les potions pour avoir de la place pour deux pinks. Les pinks c'est vraiment broken. Ah, c'était pas le Nasus de Skyheart là, il a ghost, il est mort là. Nasus de Skyheart, il ghost et il tue tout le monde. Il y avait un problème dans le mécanisme là. Bon, Janna, elle nourrit tout un régiment en ces mois là. Attends, j'aimerais juste tester parce que là il a des mercures. J'aimerais juste tester à quel point il pense qu'il est tanky, genre. Ah, mais frérot, je suis derrière toi en fait. Ah, mais t'es tanky en fait. Mais j'ai rien à dire. Après, j'ai mon R quand même, mais. Putain, le bâtard! J'y suis allé avec plein de conviction et plein de confiance. Il était beaucoup plus tanky que prévu. Hein. Comment il m'a tanké autant, sérieux? J'ai quand même un Medjay. Un Medjay 18. Et ça donne de la pénétration sur les items en plus. Bon, j'ai le seum. La ping, je vais la mettre là, hein, je vous le dis. Putain, le bâtard! Je suis arrivé avec plein d'arrogance. Et franchement, il m'a calmé. Hein. En fait, Nasus, tout le monde est persuadé que Nasus, c'est late game. Ça me fume. Si vous avez jamais remarqué, mais en fait, Nasus, c'est trop fort en mid game. Hein. C'est là, son power spike, c'est maintenant, mon mec. Hein. Power spike de Nasus, c'est à 2 items en fait. À 6 items, ça sert à rien. Tout le monde persuadé. Oh, j'ai plein de stacks. Ouais, mais t'atteindras jamais tes adversaires. Les ADC sont full stuff avec que de la pénétration d'armure. Les mages ont un bâton du vide. Le moment parfait de Nasus, c'est vraiment à 2 items. Hein. Ouais, par contre, bon. Il y a une ping dans le buisson. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, frérot. Bon, on va te laisser, hein. Entre toi et toi-même. On va te laisser réfléchir un peu si t'as envie de penser à la vie ou. Oh! Et c'est une dinguerie. Par contre, on peut pas, hein. Y a Kane, mec. Oh, let's go, si je survis. Non, mon Medjay. Oui, oui, mon Medjay. C'est trop bien, hein. Je t'aime. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vas. Oh, le Kane. Malheureusement, le Kane n'a plus d'ordinateur. Ça, c'est vraiment dommage. Oh, mon Medjay, bordel. Je vous jure, là, il y avait 1000 gold et mon Medjay. Il y avait. Ça pouvait partir en cacahuète, la game. No troll. Oh, le bâtard. Avec Kane Blue, c'est dangereux. Ils vont aller faire ses camps. Oh, putain de merde. C'est le gardien qui a carry. Le gardien, c'est une dinguerie. Vous vous rappelez quand avec Bard, comment je me suis fait baiser par un gardien? Ah, ils ont FF. Yes. On prend les games. Les games une par une. Oh, celle-là, elle m'a fait mal au cœur. Hein. Ok, on récupère un nouvel P. Et franchement, je vais dans le top. Hein. No troll. Hein. Ce Nautilus first time top grasp. Quel banger. Il l'a sorti nulle part. Hein. Il l'a sorti de son cul, mais il a fait une dinguerie. Attends, j'ai perdu combien? Ah oui, non, j'ai dodge. Je me disais, je me suis fait baiser par le jeu, mais non, j'ai dodge. Ah, Nasus, ouais, il peut. Là, je suis d'accord, ouais. Yeah. Merde, il a pas vu. Mais effectivement, le Kane peut quand même un peu se plaindre parce que je pense que le top gap
a fait snowball indirectement moi. Moi c'est indirect, mais ça, quand même, ça m'a quand même fait snowball parce que ça a mis bien... En fait il a mis bien ma botlane et ma midlane avec sa TP. Et donc indirectement j'avais des lanes qui étaient plus faibles et je pouvais plus bouger sur la map, tout simplement. Donc pour moi il s'est bien fait baiser par le... Ah c'était... Il était quand même à 300 LP hein. Il était à 330 LP le mec. Bah il est solide en vrai. C'est un jungle 300 LP, bon c'est ce que j'attendais de Stello. Ça se tient tu vois largement. En plus c'est un bon joueur on va dire. Donc je suis assez... Et sans pour autant, bon j'ai pas non plus fait pas le figure, hein. J'étais vraiment bien. Là on est à 115, allez c'est parti. En vrai ça va, ça c'est du 300 LP, bon pas juste sur un seul joueur mais... C'est clairement... Je peux clairement être au-dessus de ce niveau quoi. Donc on peut aller chercher le GM. De toute façon je pensais déjà qu'on pouvait aller le chercher mais... Après c'est qu'un joueur. Hein. Mais il a fait une bonne game quand même. Il a fait une bonne game parce qu'il avait pas de mate quoi. T'avais quel skin sur F? J'ai le tout dernier là, le... Je sais plus comment ça s'appelle mec. C'est pas là, attends c'est où?